Jésus. Amen. Père éternel, Dieu tout-puissant. Nous te rendons gloire. Nous te bénissons. Tu es Dieu. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Sauveur. Nous sommes là parce que tu nous as invités. Père, ce pourquoi tu nous as invités ce soir, que la chose soit faite dans nos vies au nom de Jésus. Nous prions. Laisse ton Saint-Esprit. Lui qui sonde les cœurs. Lui qui voit au-dedans de nous. Qu'il œuvre en nous. Qu'il œuvre en nous. Qu'il œuvre en nous. Les choses qui sont dans nos vies. Et qui ne l'honorent pas. Au-delà de nos vies au nom de Jésus. Nous voulons écouter de ta part. Nous voulons prier. Nous te prions. Sois présent. Sois présent. Que ta présence soit effective en ce lieu. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donne un applaudissement à Jésus. Alléluia. Amen. Mon frère. Quand on dit adoration, on ferme les yeux. On rentre dans l'esprit. Parce que notre Dieu est esprit. Il n'est pas cher comme moi. Et pour le trouver, il faut le chercher. Le trouver dans l'esprit. Et non comme ça, les yeux ouverts, en train de regarder partout. Dans l'adoration, Dieu nous bénit. Il nous délivre. Il nous guérit. Il comble tous nos désirs. Dieu travaille dans l'adoration. Dieu travaille dans la louange. Dieu travaille par sa parole. Il peut aussi travailler et il travaille. Mon frère, ne rate pas les trois choses quand tu viens. Dans la maison de Dieu. Dans l'adoration, les gens promettent trop les regards. Soyons un peu spirituels. Laissons la chair. La chair ne reçoit rien de Dieu. La chair est un handicap à l'esprit. C'est à toi de te forcer. La vie chrétienne, c'est un effort. La chair va tout faire. Pour te déranger, surtout dans l'adoration, fais un effort. Fais un effort pour quitter la chair. Ne regarde pas l'autre. Ne regarde pas celui qui monte sur le pupitre. Ce n'est pas ton affaire. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Beaucoup ratent. Quand ils sont dans l'adoration, ce pourquoi ils sont là, ce que Dieu a prévu faire, ils ratent. Peut-être c'est dans la louange Dieu allait te visiter. D'autres ratent dans l'adoration. Quand on dit l'adoration, ils sont ennuyés. Ça les fatigue. Vérité, non? Ça les fatigue. Je veux te dire que c'est dans l'adoration que tu touches Dieu. Et lui-même te touche. Amen. Amen. C'est dans l'adoration qu'il ouvre tes oreilles. Et il te parle. Il te rassure. Mais si tu rates ces choses, tu vas retourner tel que tu es venu. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Est-ce que je me fais comprendre? Cherche Dieu. Nous sommes dans une église où l'Esprit de Dieu travaille. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Il est déjà là. Ne rate pas ces occasions. Sinon, tu vas partir inutilement bredouille. Et tu vas encore revenir. Après, tu vas dire que Dieu ne fait rien. Dieu fait. Dieu fait beaucoup de choses. Et c'est dans l'adoration que Dieu me touche, moi. C'est dans l'adoration. Il doit me toucher. Et
c'est dans l'adoration, je vois que oui, il y a une main visible m'a touché. Je dis, yes, Saint-Esprit, tu es là. Si c'est mes ouais non dans l'ogne côté donne dans l'ogne bo si c'est là mes ouais non mon alors dès que ma mère c'est dans l'adoration il me donne un verset si c'est quoi non non mais ouais faut bien une parole ça bien dans l'ogne non mais mon frère qu'est-ce que Dieu te dit dans l'adoration non vite tu es mort non dans l'auto si c'est mais tu n'es pas venu regarder l'autre laisse là laisse le à ma wifi bon alors quoi mais dieu joue do sois connecté. C'est de bien qui bolomé. Sois connecté. Bien qui bolomé. Au nom de Jésus. Toi, il est sous ta main. Tu vas élever la voix. Anazek bedaga. Tu vas dire Jésus, je suis là pour toi. Ana Jésus ton fin awe. Ce que tu fais à ceux qui viennent à toi. Mo dia no wana mede wa. Fais ces choses dans ma vie. Ouvre la bouche et dis ça à Dieu. Jésus. Je suis là ce soir pour toi. Ce que tu fais à ceux qui viennent à toi. Mo dia no wana mede wa. Ces choses dans ma vie. Ne me laisse pas partir tel que je suis venu. Ne me laisse pas partir tel que je suis arrivé. Jésus. Ce que tu fais à ceux qui viennent à toi, à ceux qui sont appelés de ton nom, fais ces choses dans ma vie. 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 Au nom de Jésus. Tu vas encore prier avant de t'asseoir. Tu vas dire, Seigneur, mon Dieu, mon Père, ce que je n'étais pas avant que cette année ne commence, fais-moi devenir ces choses au nom de Jésus. Ouvre la bouche et prie. Prie. Seigneur Jésus, ce que je n'étais pas avant de rentrer dans cette année 2021, fais ces choses dans ma vie. Seigneur, visite-moi. Ce que je n'étais pas avant que cette année ne commence. Oh Jésus, tu peux faire quelque chose dans ma vie. Tu peux me changer. Je peux devenir une nouvelle personne. Jésus, ce que je n'étais pas avant de rentrer dans cette année 2021. Fais ces choses dans ma vie. 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 Touche la vie. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas encore dire, Seigneur, ce que je n'avais pas avant de rentrer dans cette année. Avant que cette année ne termine. Accorde-moi ces choses. Le don que je n'avais pas. La grâce que je n'avais pas. La faveur que je n'avais pas. Avant que cette année ne termine. Mon Dieu, mon roi. Accorde-moi ces choses. Ouvre la bouche et prie. Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde à quelqu'un la grâce qu'il n'avait pas. Accorde à chacun de nous la grâce qu'on n'avait pas avant que cette année ne finisse. Seigneur, ouvre-nous maintenant. Ouvre-nous. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce qui fait défaut. Les dons, les grâces, les faveurs, les bénédictions. La faveur, les dons, Seigneur. Yes, prie. Accorde-les-nous ce soir. Accorde-les-nous ce soir avant que cette année ne finisse. Tu manques quelque chose. Demande. Accorde. Qui mène à la transition. Transition globale. Et continue. Que ce chemin s'ouvre pour moi. Dis-moi, amen fort. Amen. Ouvre la bouche et prie au nom de Jésus. Oui, prie. La transition, Seigneur, commence à s'ouvrir. Les voies qui conduisent à la transition, Seigneur, commence à s'ouvrir devant nous. Commence à s'ouvrir devant chacun. La transition est un chemin. Le chemin qui conduit à la transition. La transition est une porte. Que cette porte s'ouvre. Que cette porte s'ouvre. Yes. La porte de transition, Seigneur, s'ouvre devant chacun. La porte de transition.
ce soir dans le nom de Jésus. Que cette porte cède. Mon frère, ne rate pas cette porte. Que cette porte cède. Ne rate pas cette porte. Que cette porte cède. Tu dois céder à cette porte cette année. Que cède. Tu dois céder à cette porte cette année. Que cède. Prie, prie, prie. Pour accéder. Yes, 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 yes. La porte de transition cède maintenant. Transition. Et toi, c'est ton année de transition. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voulons voir les bonnes décisions qu'il nous faut pour entrer dans la transition. Amen. Amen. Dans la vie, nous avons besoin de faire des choix. Nous devons prendre des décisions pour accéder à la voie de la transition. Mais beaucoup de personnes, ils font un mauvais choix. Ils prennent des décisions mauvaises. Amen. Amen. Mais ce soir, je prie pour que toi, tu puisses prendre une bonne décision pour accéder à cette porte de transition. C'est déjà ouvert. Tu dois y entrer au nom de Jésus. Quand il y a une bonne décision, nous avons la paix. Nous avons la joie. Nous avons la tranquillité. Quand il y a une mauvaise décision, quand tu prends une mauvaise décision, ce sera le découragement. Ce sera la frustration. Ce sera la mort prématurée. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Je dis que ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons tout faire pour nous mettre sur une bonne décision. Dans la Bible, il y a certaines personnes qui ont pu choisir la bonne décision. D'autres, non. Nous allons voir les deux cas. Nous allons lire d'abord un cas. C'est celui qui a pris une mauvaise décision. Amen. Je prie pour que toi sois différent. Et que à la fin de cette année, tu puisses témoigner. Tu puisses venir avec ce que tu as fait pour toi comme transition dans l'année au nom de Jésus. Amen. Nous allons rapidement voir 1 roi 12. 1 roi 12. 1 roi 12. On commence par le verset 1. Roboam se rendit à Shissem, car tout Israël était venu à Shissem pour le faire roi. Roboam sortit de Shissem. Donc Israël était venu à Shissem dans le roi à Holou. Amen. Lorsque Roboam est le fils de Salomon. Roboam, Salomon s'y vit. Et il doit régner. Pour être dans papa. Ton papa est aussi témoin. Amen. Amen. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon. Et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam était et toute l'assemblée d'Israël vint à Roboam et lui parlait ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Jéroboam et le peuple
Ils étaient venus voir Roboam qui veut devenir roi. Jéroboam. Vous êtes là? Jéroboam, Roboam, Dans le peuple, Jéroboam sont venus. Ils ont dit, ton père Jéroboam, a rendu notre joug dur. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, fils. À cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père. Amen. Et nous te servirons. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Amen. Donc, ils étaient venus voir le futur roi pour lui dire, cette fois-ci, c'est toi qui veux régner. Nous voulons que tu puisses alléger notre situation. Tout ce que ton père avait fait était dur devant nous. Maintenant, toi, pardon. Ils sont en train d'intercéder, de demander faveur de Roboam. Donnez-moi 3 jours pour que je puisse réfléchir. Allez, et revenez. Amen. On continue. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon. Très bien. Quand le peuple était parti, le jeune homme est allé voir les anciens, les vieillards qui étaient restés avec Salomon, son papa. Il a bien fait. C'est une bonne démarche. Amen. Et il dit. Que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'il lui dit. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple. Voilà le conseil. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Vous comprenez? Voilà le conseil que les vieux ont donné à Roboam, le jeune futur roi. Sois simple, sois humble, sois bienveillant envers le peuple. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards. Et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Amen. Donc il laissa les vieux pour aller voir les jeunes. Semblables, ses collègues, ses camarades. Et tu plan mais on est tondo boyé au plan. Ils sont des points pour écouler tondo. Amen. Ils ont dit quoi? Et alors? Il leur dit. Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le jour que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dit les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi, allège-le. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Alors, maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant. Et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets. Et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Amen. Vous avez écouté. Il dit que lui va les châtier avec quoi? Des scorpions.
hein? Avec le scorpion. Est-ce que c'est un bon un bon conseil? Je vous parle. Les vieillards ont donné un bon conseil. Les jeunes ont donné aussi un conseil. Mais ce n'est pas un bon conseil. Ils ont dit, Maintenant, mon père vous a chargé d'un jour pesant. Et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets. Et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vint à Roboam le troisième jour. Suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans trois jours. Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avait donné les vieillards. Et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant. Et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets. Et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Ainsi, le roi n'écouta point le peuple. Car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Silo. Il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant. Et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets. Et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Amen. Amen. Peuple de Dieu, tu es là. Roboam a pris une mauvaise décision. Les vieillards lui ont prodigué une bonne décision. Mais il a préféré écouter pour les jeunes. Nous allons voir que ça lui a coûté énormément. Ce qu'il a fait là, ça lui a coûté énormément. Même d'abord. Mais ça lui a coûté très cher. Parce qu'il a pris une mauvaise décision au moment où il devrait relever le peuple, encourager le peuple, conduire le peuple à bon port. Alléluia. Amen. Et dans le verset 15, il fait dire que Dieu lui-même était derrière. Ainsi, le roi n'écouta point le peuple. Car cela fut dirigé par l'Éternel. Pourquoi c'est dirigé par l'Éternel? Parce que Dieu voulait depuis ôter de la main de Salomon le royaume. Parce qu'il avait péché, on connaît tout ça là. Et c'est au moment où ce jeune est sur le royaume que Dieu a voulu lui enlever. Comme un esprit est derrière lui, il ne pouvait pas écouter ce que les vieillards lui ont dit de bon. Je ne sais pas si toi-même tu as un esprit qui est derrière qui conduit les choses. Pour t'empêcher d'entrer dans la transition. Les mauvaises décisions des fois nous empêchent d'entrer dans la transition. Dans la bénédiction, dans les faveurs, dans les grâces de Dieu.
S'il y a un esprit derrière, mon frère, tu dois prier pour que cet esprit te quitte, pour que tu puisses accéder à la transition dont on nous parle au nom de Jésus. Un esprit était suspendu derrière cet homme. Et au lieu que lui-même soit homme pour dévier ce qui est sur lui, il a préféré entrer dans le trou. Si tu es ici et tu veux entrer dans n'importe quel trou, ce soit que Dieu t'enlève de là au nom de Jésus. Que Dieu t'enlève de là au nom de Jésus. Nous avons encore une autre histoire. Là, c'est celui qui a pris une bonne décision. Et je prie pour que toi-même tu prennes une bonne décision. Amen. Lui, Roboam. Roboam. Ses oreilles ne sont pas ouvertes. Toi ce soir, toi qui es en train d'entendre ces choses, que Dieu ouvre tes oreilles pour que tu fasses la part des choses. Au moment où il faut décider, où il faut faire un bon choix, que tu ne dérailles pas, tu ne dévies pas au nom de Jésus. Nous allons voir une autre personne. Allons dans Actes 12. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendirent. Tout à coup, quelqu'un n'a qu'à dire tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Ici, ils ont pris la bonne décision. Ils étaient en prison. Et à minuit, la bonne décision est venue. Ils ont dit, bon, nous allons commencer par louer et chanter, louer et adorer. Alléluia. Amen. Ils ont commencé par louer. Subitement, quelque chose s'est passé. Lisons. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, il se fit un grand tremblement. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Les fondements de la prison sont comment? Ça fait deux, oui. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Alléluia, dis-moi amen. La manière dont Paul et Silas ont réagi ici, à minuit, la Bible dit à minuit. Leur réaction a fait que les choses ont changé brusquement. Notre réaction et notre prise de décision positive change les choses pour nous. Ils pouvaient rester là en train de s'apitoyer sur leur sort. Mais à minuit 00, la bonne décision au moment opportun a changé les choses. Je prie pour toi. La Bible dit, quand ils ont commencé à chanter, les fondements de la maison ont commencé à trembler. La Bible continue à dire, les prisonniers qui étaient captifs ont trouvé la libération. Si jusqu'à présent quelque chose est dans ta vie et te retient captif, ce soir, que la chose te lâche au nom de Jésus. Que
la chose te lâche au nom de Jésus. Les liens qui sont encore dans ta vie, je prie pour que ces liens soient relâchés au nom de Jésus. La bonne décision nous apporte la paix, nous apporte la victoire, nous apporte le changement. Alléluia. Amen. Si tu veux un changement notoire, si tu veux passer par la transition, ne te précipite pas. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle bonne décision je dois prendre pour accéder, pour aller à un autre niveau, pour aller à une autre dimension plus élevée. Que nous sommes, nous nous précipitons pour faire des choses qui des fois nous apportent des ennuis, c'est ennuyant. Ça frustre. Mais ce soir, Dieu va libérer quelqu'un. Amen. Dieu va libérer quelqu'un. Tu vas quitter là où tu es. Les portes de prison de quelqu'un vont s'ouvrir. Au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, tu vas te lever, nous allons prier. Si tu as compris tout ce que nous venons de dire, laisse-toi maintenant dans la prière. En dedans, et Dieu fera quelque chose avant que tu ne quittes ici. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu vas élever la voix. Amen. Tu vas dire ce que tout ce que l'ennemi a mis dans ma vie pour me faire rater la transition en cette année 2021, au nom de Jésus, je commande que la chose soit brisée, que la chose soit détruite au nom de Jésus. Mon frère, cette année tu ne vas pas rater la transition. C'est pourquoi tu dois choisir, une bonne décision. Tu vas prier maintenant au nom de Jésus. Ouvre la bouche et prie. Tout ce que l'ennemi a mis dans ma vie pour me faire rater la transition, pour me faire rater la transition cette année par le sang de l'agneau. Tout ce que l'ennemi a mis dans ma vie pour me faire rater la transition, l'abondance, la bénédiction, la grâce. Je prie au nom de Jésus qu'il soit brisé, qu'il soit brisé, qu'il soit brisé, qu'il soit brisé, 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 brisé. Mon frère brise, 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 brise. Tout ce que l'ennemi a mis. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas encore prier, tu vas dire. Tout ce qui s'est dressé entre moi et ma transition, au nom de Jésus, que le feu descende sur la chose. Amen. Que la chose soit foudroyée. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre la bouche et prie. Tout ce qui s'est dressé entre toi, tout ce qui s'est dressé entre toi et ma transition, en cette année qui soit brisée, 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 mon frère brise la chose qui s'est dressée en toi, brisée, 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 foudroyée, 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 foudroyée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons retourner Tryphène. Relis-nous le Roboam, 1 roi 12, le verset 15. Là, on dit que c'est Dieu lui-même qui est derrière la chose. Ainsi, le roi n'écouta point le peuple. Ainsi, le roi n'écouta pas le peuple. Le peuple veut quoi? Que le peuple est soulagé. Donc, le peuple veut la paix, la tranquillité. Et tu n'as pas de la paix, la tranquillité.
Ainsi le roi n'écouta pas le peuple. Qu'est-ce qui s'est passé après? Car cela fut dirigé par l'Éternel. Par l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, certaines choses nous arrivent. Et ça ne vient pas de nous ni de Dieu, mais c'est l'esprit, c'est les démons, ce sont les gens mauvais, les gens qui ont la queue du diable, qui font que ce qui nous arrive là sont téléguidés par eux. Ce soir, tu vas prier. Alléluia. Tu vas croire que tu es sur une bonne voie. Mais tu ne l'es pas. Are you interested me? La Bible dit dans Psaume 18, il dit, je poursuis mes ennemis. Je les atteins. Je les brise. Et ils ne vont plus se relever. Tu vas prier ce soir. Et tu vas atteindre tes ennemis. Tu vas pouvoir saisir ces esprits. Tu vas pouvoir les saisir. Et ils ne vont plus se relever dans ta vie. Là, tu vas entrer dans la transition. Là, la bénédiction, l'abondance, les grâces que Dieu a réservées pour toi en cette année, tu vas y accéder au nom de Jésus. Je dis, tu vas y accéder au nom de Jésus. Pour Roboam, c'était Dieu. Et, Dieu avait dit ça dans le chapitre 14, que ça allait arriver. Amen. Amen. Tu ne vas pas hériter de mauvaises choses. Et si tu as déjà hérité de mauvaises choses de tes parents, Dieu va te libérer au nom de Jésus. Roboam a hérité une malédiction. C'est pourquoi il fait ce qu'il veut. Il est têtu. Ce n'est pas de sa faute. Peut-être tes agitations. Ça a une signification. Je ne sais pas. Et Dieu va te délivrer ce soir au nom de Jésus. Je sais que David a dit, David, je les atteins. Je les brise. Et ils ne peuvent plus se relever. Quelqu'un, tu vas prier comme David. Pour que ces esprits, ces choses qui sont derrière toi, qui travaillent contre toi, et qui ont encore reçu mission de travailler avec tes enfants, pour que tu mènes une vie bizarre, pour que tu commettes toujours des erreurs, pour que tu ne fasses pas de bonnes choses, des occasions. Pour que les bonnes choses ne soient pas ta portion. Cette année, c'est ton année de transition. Tu vas prier. Tu vas dire au nom de Jésus, je commande à tout esprit méchant, l'esprit qui contrôle ma vie, l'esprit qui est en train de me guider, pour que je ne rentre pas dans ma transition. Esprit d'erreur, au nom de Jésus, je te brise, sois brisé. Est-ce que tu peux prier maintenant? Qui empêche ma grande erreur? Qui empêche ma transition ce soir? Dans le nom de Jésus. Les esprits qui sont derrière toi. Les hommes qui sont derrière toi. Les méchants qui sont derrière toi. Tout ce qu'ils ont déjà fait. Les esprits d'échec, les esprits d'insuccès, les esprits d'erreur, dans le nom de Jésus, Allez, sois brisé. Ennemi de la transition. Insiste. Sois brisé.
Tout ce qu'ils sont en train de faire, au nom de Jésus, brise la. Vous, esprit d'opposition, vous, esprit de résistance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas encore prier. Tu vas dire. Tout pouvoir des méchants. Quand vous soyez vainqueurs, au nom de Jésus, commande, le pouvoir de la sorcellerie à l'œuvre dans ma vie, le pouvoir des méchants à l'œuvre dans ma vie, le pouvoir des gris-gris dans ma vie, le pouvoir des enchantements dans ma vie, au nom de Jésus. Soyez paralysé. Vous, esprit d'ensorcellement, esprit d'envoûtement, allez, soyez paralysés, totalement paralysés, entièrement paralysés, totalement paralysés, allez, soyez paralysés, soyez anéantis, par le sang de l'agneau, soyez paralysés, par le sang de Jésus, Soyez paralysés, soyez vaincus, complètement vaincus, totalement vaincus, soyez paralysés, entièrement paralysés, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas encore reprier là, tu vas dire le pouvoir des méchants. Derrière ma transition, je vous brise. Amen. Et tu fais comme si tu es en train de briser quelque chose. Alléluia. Amen. Dans la Bible, David a dit, je vous taille en pièces. Je vous brise, vous ne pouvez plus vous relever. Mon frère, quand tu ne quittes ici, quelque chose doit tomber. Amen. Si tu ne fais pas quelque chose, personne d'autre ne le fera à ta place. Ce pouvoir qui est à l'œuvre dans ma vie, pouvoir de la méchanceté, pouvoir des gris-gris, qui font qu'on fait
des erreurs. Des hommes en chinois. Ce soir, je les brise. Je les brise. Amen. Et tu leur donnes, vous n'allez plus vous relever. Votre action dans ma vie, finie. Au nom de Jésus, commande. Commande toi encore. Commande encore. Comment nous ne sommes pas comme Roboam. Roboam a subi. Mais il a fait les choses telles que c'est écrit. Mais toi, tu es différent. Brise-les. Comme tu es en train de briser, de casser quelque chose, de détruire quelque chose, casse quelque chose, détruis quelque chose, détruis, casse quelque chose. Pour qu'il ne se relève plus, la chance ne va plus se relever, la chance ne va plus se relever, la méchanceté, les magies, les esprits d'erreur, les esprits d'errance, les troubles, ne vont plus se relever dans ta vie. Soit tu ne vas plus subir. Au nom de Jésus de Nazareth, Intervient maintenant. Est-ce que Dieu intervient? Puissant de Dieu intervient. Puissant de Dieu intervient. Intervient dans ma vie. Intervient maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Amen. Tu vas dire, je refuse d'être une répétition négative. Amen. Amen. Ça a commencé sur Roboam. Roboam, tu vois, et ça va continuer. Ça ne sera pas mon cas. Amen. Ça ne sera pas ton cas. Amen. Répétition négative. Amen. Malédiction. Générationnel. Ne pas agir dans ta vie. Amen. 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 Pas de transition. Ni dans de transition. De bénédiction, d'abondance. Il y a certaines personnes, parce que c'est sur leur tête, ils vont entendre seulement. Refuse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Paul et Silas ont prié. Paul et Silas ont prié. Et les choses ont fait quoi? Bon, les baïtes, les rois. Amen. Amen. Tu vas dire, je renverse. Adorons. Pas ta prière. Le pouvoir est là. Commande maintenant et renverse les mauvais sorts qui te suivaient. Au nom de Jésus, et renverse-les. Et détruis-les de derrière ta vie. Prière. Les murs doivent trembler. Les murs doivent trembler. Les liens doivent être relâchés. À partir d'aujourd'hui, maintenant cet esprit me guide pour que je prenne des bonnes décisions. Amen. Pour ma vie, pour mon foyer, pour ma famille, pour tout ce que mes mères font. Prie au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur Jésus, Saint-Esprit de Dieu, sois notre conducteur. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous. Conduis chacun de nous, conduis-nous.
Conduis-nous, Saint-Esprit, conduis-nous. Apprends-nous à prendre de bonnes décisions. Inspire chacun de nous. Saint-Esprit, inspire-nous. Inspire-nous, inspire-nous. Commence à nous inspirer. Commence à nous inspirer. Commence à nous conduire. Commence à nous montrer la voie. Commence à nous montrer la voie. Commence à nous montrer la voie. Saint-Esprit de Dieu, assiste-nous. Assiste-nous dans les décisions. Assiste-nous dans les décisions. Assiste-nous dans les choix. Assiste-nous dans les choix. Assiste-nous, assiste-nous, assiste-nous. Fais les choix avec nous. Fais les choix avec nous. Fais les choix avec nous. Prends les décisions avec nous. Oriente-nous, Esprit de Dieu. Oriente-nous, Saint-Esprit de Dieu. Conduis-nous. Conduis-nous. Conduis-nous dans les bonnes décisions. Conduis-nous dans les bonnes décisions. Conduis-nous dans les bonnes décisions. Bonne décision, c'est mieux. Conduis-nous. Pour entrer dans la transition. Seigneur Jésus, il faut vraiment prendre. Conduis-nous dans de bonnes décisions. Une bonne décision. Prie pour demander la direction de Dieu. Prie pour demander la direction divine. Conduis-nous. Saint-Esprit de Dieu. Pour quitter le niveau où tu es, pour aller à une autre nouvelle dimension de ta vie. Inspire-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Lève tes mains, je prie pour toi. Que l'esprit qui a animé Roboam. Que cet esprit ne trouve pas place dans ta vie au nom de Jésus. Les mauvais sorts qui ont guidé sa vie, je commande que ces mauvais sorts soient éloignés de toi au nom de Jésus. Soit éloigné de toi au nom de Jésus. Soit éloigné de toi au nom de Jésus. Soit éloigné de toi au nom de Jésus. Tous ceux qui travaillaient dans le spirituel, soit ta vie, soit tes activités, ta maison, ton foyer, la vie de tes enfants, au nom de Jésus, je commande que Dieu t'accorde la victoire. Que Dieu t'accorde la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la honte l'opprobre. Quitte ta vie. Quitte ta vie. Tout ce que les mauvaises décisions engendrent. La mort. L'échec. L'erreur. Le découragement. Au nom de Jésus, que cela ne soit pas ta portion. Que cela ne soit pas ta portion. Que Dieu te donne la grâce de dominer sur tous ces éléments au nom de Jésus. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen.